Radio Module, la radio des Monts du Lyonnais. Bonjour, de retour ici au Parc Éco-Habitat de Saint-Symphorien-sur-Coise. Pour la journée Produisons ensemble l'énergie de demain et avec moi de la société Copawatt, Paul-Jean Coutenks. Est-ce que je... Ah bon, ça va, ça démarre bien alors. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est que Copawatt tout simplement ? Oui, tout à fait. Donc Copawatt, c'est une structure qui est basée à Grézieux-la-Varenne dans l'ouest lyonnais. Oui. Qui s'est créée en 2016. Grézieux-la-Varenne, hein, pas Grézieux-le-Marché. Exactement, hein. D'accord, pas on notera bien. Mm-hmm. Donc Copawatt, c'est une entreprise sociale, donc c'est-à-dire que c'est une structure qui a vocation à payer des personnes au service d'un projet d'intérêt général avec une lucrativité limitée et une gouvernance participative, de manière horizontale. Oui. Et son objet social à Copawatt, c'est de permettre aux personnes sur les territoires, plutôt les territoires ruraux en général, plutôt à la campagne, oui, de prendre en main la production d'énergie renouvelable de manière collective. Okay. Concrètement, ça veut dire qu'on aide à faire émerger et à mettre en place, à structurer, à réaliser des installations de production d'énergie renouvelable, ouais, par exemple des centrales photovoltaïques, des centrales éoliennes, toutes sortes de choses, qui sont détenues collectivement par des collectivités, des particuliers, des agriculteurs, des entreprises, des associations, toutes sortes d'organisations appartenant au territoire, qui décident ensemble de l'avenir énergétique de leur territoire. Donc accompagner et intensifier la transition énergétique, en fait, c'est ça, hein, c'est le but. D'accord. Je reviens juste sur très concrètement, vous êtes salarié de cette entreprise. Aujourd'hui, on est donc 12 personnes dans Copawatt. D'accord. On est tous dans une logique d'entrepreneuriat. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on est deux permanents à temps plein. Oui. Aujourd'hui bénévoles, c'est Copawatt qui gagne de l'argent. Ok. Et on espère se rémunérer en 2018 sur cette activité. Ok, très bien. Vous accompagnez aussi bien des collectivités territoriales que des particuliers. Enfin, comment ça se répartit un petit peu votre clientèle, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs on ne dit pas vraiment une clientèle. Alors dans une entreprise sociale, on différencie les bénéficiaires et les clients. Oui. Donc les bénéficiaires, c'est l'ensemble des parties prenantes d'un territoire. Évidemment. Et les clients, c'est les personnes qui vont rémunérer l'action qu'on réalise. D'accord. Aujourd'hui, sur les premières missions qu'on a réalisées et qu'on réalise, on est sur une logique de prestation auprès de collectivités. C'est quelque chose qu'on cherche à diversifier, travailler en direct avec des porteurs de projets structurés, à travailler en partenariat avec des structures qui ont d'autres structures de l'économie solidaire, qui ont aussi un intérêt dans ce type de projet par les bénéfices que ça apporte en termes de lien social, de dynamique entrepreneuriale. Voilà, c'est des choses qu'on est en train de construire. Donc aujourd'hui à Saint-Symphorien-sur-Coise, là vous êtes dans votre élément, là, c'est le the place to be, comme on dit. Complètement. Hein, d'accord, très bien. ça vous permet aussi de nouer des contacts, peut-être avec pas seulement des particuliers, mais peut-être aussi d'autres structures. Vous les connaissez déjà, peut-être sur les Monts du Lyonnais, vous avez déjà pas mal de partenariats qui sont en train de se mettre en place. Alors sur les Monts du Lyonnais, on travaille depuis le mois de janvier avec et pour la communauté de communes, dans le cadre de la stratégie territoire à énergie positive. Donc dans ce cadre-là, nous, on travaille sur l'élaboration d'une feuille de route pour le photovoltaïque dans les Monts du Lyonnais pour permettre de massifier en général le photovoltaïque et en particulier permettre la mise en place d'un projet donc collectif et participatif sous le format dont je parlais à l'instant. D'accord. Et dans ce cadre-là, on a rencontré aussi bien les élus que les chambres consulaires, que des entreprises. Et aujourd'hui, on vient spécifiquement pour restituer tout ce travail avec tout le monde, c'est-à-dire entre guillemets le grand public, c'est-à-dire aussi bien les particuliers que mais aussi toutes les autres personnes, tous les autres acteurs du territoire. Très bien. Et alors votre intervention cet après-midi là dans ce cadre-là, ça prend quelle forme tout simplement? Alors aujourd'hui, c'est une réunion d'information. Voilà. On est au lancement, on va dire, de la démarche du point de vue officiel. Oui. Donc tout ce travail, on va présenter son résultat. Qu'est-ce que nous, on retire de tout ce qu'on a extrait, on va dire, tout ce qu'on a fait émerger en termes d'information sur le potentiel photovoltaïque. D'accord. Mais aussi sur des envies qu'on a pu repérer chez un certain nombre d'interlocuteurs. Mmh. Et ensuite, on va inviter toutes les personnes qui le souhaiteront à participer à une démarche collective. A priori, le premier temps de travail se fera le 26 juin pour concrètement se mettre autour de la table, discuter des attentes de chacun dans le cadre de cette démarche photovoltaïque et mettre en place la suite. Donc la réunion publique, elle est prévue tout à l'heure à 17h, c'est ça, pour les gens qui sont intéressés. Eh bien, n'hésitez pas à vous y joindre, chers auditeurs. Merci à vous, Paul-Jean Coutenks, n'est-ce pas ? Merci Radio Module. De rien. Bonne journée. Au revoir. Très bonne journée.